Et salut tout le monde, c'est X-Rouge, on se retrouve pour le test de Sniper Elite 3 sur PlayStation 4. Donc voilà, édité par 505 Games, développé par Rebellion, sorti le 27 juin 2014, sachant que l'ancien Sniper Elite V2 sur lequel j'avais fait un test à l'époque sur Dailymotion. Alors là, ça date, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Il était sorti, il me semble, en mai 2012, le V2. Pour celui-ci, Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans, identique. Pas encore de notes test pour ce jeu. Mais bon, c'est un jeu quand même qui promet et qui reprend bien la suite du flambeau de Sniper Elite V2. Si je ne parle pas, bien sûr, des opus zombies qu'a connu V2. Donc, nous retrouvons bien sûr Carl Fairburn, le fameux sniper de talent de la saga Sniper Elite. A savoir que le jeu se déroule dans sa totalité en Afrique du Nord, pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que là on était dans le V2, il me semble qu'on était oui en Allemagne, enfin sur les frontières, donc c'était donc là voilà, on quitte le continent européen, quoi. Et donc voilà, en ce moment même, nous sommes à Tobrouk, il me semble, à l'est de la côte libyenne, voilà, près de la frontière égyptienne. Où est-ce que donc voilà, on retrouve ce fameux héros. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien sûr, comme vous m'avez vu faire pendant que je vous parle là, voilà, parce que j'enchaîne. Les jumelles sont toujours présentes pour pouvoir target l'ennemi, le contrôle du bullet time, la fameuse X-ray caméra quand on tire dans une personne. Voilà, enfin, sans vous faire attendre, ben, vous voyez de quoi il en retourne. C'est vraiment assez monstrueux. Non, par contre, c'est vraiment beaucoup plus gore. Franchement, le crâne explose en 1000 morceaux. C'est vraiment... ça a été amélioré. Franchement, on en rigole quand même des shoots qui se prennent. C'est monstrueux. Plusieurs modes de difficulté sont mis à... durant le jeu, vous sont proposés. Vous avez maintenant le choix de vous créer votre propre paquetage d'armes. 4 vous sont proposés. Donc en fait, il y a... Bordel, mais la gueule explose littéralement, c'est fou. Enfin bref, vous avez en gros 4 classes d'armes que vous pouvez vous faire avec les mêmes armes, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des paquetages. Donc du coup, voilà, vous pourrez choisir votre arme principale, soit le sniper, votre arme secondaire, c'est-à-dire une arme automatique, le pistolet, voilà, une arme de main. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 armes de jet, 3, voire même, enfin, comme bon vous semble, des soins, des medikits plus ou moins importants. Attendez que j'attende que la vie, voilà. La vie en bas à gauche, à côté de la carte, c'est du coup ces 5 barres blanches que jaunes que vous avez vues, donc voilà, des medikits qui vous donnent 2 barres, un qui vous le recharge complètement, voilà, il y a 2 styles de medikits. Plutôt sympa, donc du coup on rentre vraiment dans un effet de personnalisation propre du personnage. Des missions jour-nuit vous sont proposées, beaucoup plus des missions de nuit maintenant, enfin, la nuit a été beaucoup plus mise en avance que sur le V2, parce que sur le V2 il y en avait très très peu quand même, il faut le reconnaître. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré choisir une mission de nuit, parce que mon ancien test sur le précédent opus était de jour. Vous pouvez bien sûr, voilà, plusieurs choses, infiltration ou bourrin comme vous pouvez le voir, de toute façon la carte est affichée, votre niveau de recherche est en bas à droite. Ce que vous voyez, le BPM en bas, pardon, en bas à gauche, excusez-moi. En bas à gauche, donc vous avez un œil avec les BPM à côté. Les BPM, en gros, ce sont les battements par minute. En gros, c'est votre fréquence, votre rythme cardiaque. L'œil à côté, c'est selon votre niveau de reconnaissance aux yeux de l'ennemi, si vous êtes en gros, si vous êtes discret ou non. Et ensuite, vous avez différents cercles autour de la map, en fait. Donc ça, j'y viendrai. Enfin, si j'ai l'occasion de trouver Ok, ouais, non, je lisais en même temps. Du coup, voilà, si j'ai l'occasion de vous montrer, en fait, vous pouvez avoir des objets que vous pouvez saboter, en fait, pour qu'ils puissent faire du bruit et couvrir vos tirs. On retrouve bien sûr ce fameux « je me cache et je tire pendant qu'il y a un bruit sonore pour pas me faire détecter ». Si cet engin est dans le premier cercle autour de la boussole, enfin, autour de la carte qui vous entoure, eh bien, ça veut dire que votre bruit sera couvert. Au-dessus de ce premier cercle, plus du tout.
Donc voilà, en gros, ce sont des fréquences. Si l'ennemi n'est pas sur la carte, mais que vous l'avez dans votre viseur, ils ne vous détecteront pas directement. Ils vont d'abord vous chercher. Plusieurs niveaux de recherche. Vous avez d'abord un rond jaune au-dessus d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont en train, ils ont des soupçons. Rouge, ils attaquent, ils vous cherchent. Et un point rouge à la place d'un cercle autour de sa tête, c'est l'engaging de l'ennemi. Il va vous attaquer, il vient vous débusquer. Donc voilà. Donc plusieurs modes, c'est vraiment sympa, c'est bien mis en avant. Du côté de la PS4, comme je vous ai dit, comme je teste sur PS4, la DualShock 4, le son de la voice-over est mis en avant. Donc à chaque fois que vous entendez un son de rechargement en fait de votre arme ou d'une musique sonore en fonction de l'intensité de votre recherche en fait, par rapport à ces cercles de différentes couleurs dont j'ai précédemment évoqué. La chose, eh bien voilà, la voice-over est activée, donc vous entendez ce son à travers votre manette. Moi, sortir le Wild Rod, ok, c'est un pistolet silencieux, ok, mais bon, de loin, il est vraiment nul à chier, quoi, c'est ouf. En parlant de nul à chier, parlons peut-être des petits défauts du jeu. J'ai remarqué quelques clippings de texture assez importants durant les phases de trailer, en fait. Vous savez, pendant les time events. Vous savez, les vidéos, etc. Le personnage, enfin, l'uniforme du personnage a du mal à être défini. D'abord, c'est une espèce de grosse couche verte, et puis après, on verra qu'en fait, il y a une poche extérieure qui s'affiche, la bandoulière, etc. Vous voyez ce genre de clipping, vous savez, qui met du temps à s'afficher. Et puis aussi, au niveau des soucis de dialogue, enfin, pour l'instant, j'en ai remarqué qu'un, mais il m'a assez choqué, c'est pour ça que je préfère en parler. Vous voyez des Allemands par exemple en train de parler parce que voilà, il y aura différents styles de missions. Vous avez des missions de sauvetage, des missions d'assassinat comme l'on connaît très fortement dans Sniper Elite, des missions de sauvetage bien sûr où est-ce que vous allez devoir couvrir quelqu'un qui est blessé, etc. C'est vraiment, enfin voilà. Quand je vous parle d'objet, voilà, c'est celui-là. Vous pouvez tirer dessus ou alors le saboter en donnant un coup de pied dessus avec la touche croix et donc ça fera un certain bruit. Là, vous voyez que sur mon petit radar en bas, il y a du coup une comment ça s'appelle une zone enfin une zone de voilà, je fais du bruit, la petite onde sonore. Donc, comme je suis dans le cercle, je suis camouflé en fait au niveau du son. Vous le voyez en haut, tout en haut, si vous avez vu les petites ondes, c'est que pendant ce temps-là, je peux tirer et mon tir est camouflé. Donc voilà, j'en reviens du coup à ce souci de dialogue. En fait, j'avais vu deux Allemands en train de parler. Bon, après le jeu étant français, donc à un moment ils se mettent à parler français. Et en gros, enfin je me souviens plus de ce qu'ils disent, mais c'est comme en gros si vous avez une phrase genre le type allait dire il faut que j'aille faire mon rapport au Führer, en quelque sorte c'est ça, et on savait qu'il allait le dire, mais à un moment il dit il faut que je fasse mon rapport, est-ce que tu as, vous voyez la phrase est coupée en plein milieu et part sur la suite en fait. J'ai trouvé ça assez bizarre, c'était enfin, parce que la voix est assez prédominante dans le jeu, le niveau sonore des voix pour qu'on puisse bien les entendre est assez présente. C'est un bon point, hein, comme ça au moins ça nous évite aussi pendant les phases d'action, on peut vraiment écouter tout ce qui se passe. Mais bon voilà, j'ai trouvé ça assez bizarre. Enfin, bon. Donc du coup voilà, que je reparle bien sûr de ce moment. Enfin, de ce fait qui fait que Sniper Elite est un Sniper Elite, c'est le fameux Bullet Time. Voilà. Le Bullet Time est activé si vous arrivez à tuer la personne, en fait. Donc c'est pour vous montrer qu'après ce coup-là, il sera mort. Et le X-Ray est activé si vous touchez des parties vitales ou alors vraiment qui ont pu être modelées graphiquement. Vous trouverez donc du coup le crâne qui peut s'exploser, de différentes façons, peu importe où arrive la balle. Le foie, l'intestin, le cœur, les poumons. J'en ai pas vu d'autres. Je n'ai jamais testé, tirer sur la jambe de quelqu'un et puis j'ai pas envie de le faire. Mais bon, s'il faut, peut-être que la rotule explose, quelque chose comme ça doit être bien dégueulasse. Dédicace à ceux qui ont eu déjà des problèmes au genou. Je sais pas pourquoi je dis ça, enfin bref. Ouais, donc du coup, voilà, vous avez le X-ray qui s'active en fonction de l'endroit où est-ce que vous tirez sur la personne. Voilà. Comme vous pouvez le voir après, sinon, plus généralement parlant, graphiquement. Bah, il impose quand même, hein. Il est pas dégueulasse, hein. Donc voilà, vous avez après, en fonction de l'endroit où est-ce que vous êtes, vous voyez par exemple les touffes d'herbe qu'il y a autour de moi, vous pouvez, si elles sont assez hautes et massives, vous pouvez vous y cacher dedans en vous mettant accroupi en fait, ou directement allongé. Voilà, pour faire un frag furtif, c'est triangle sur la personne. Ah putain, il est vraiment trop loin quoi. Oh, arrête, j'ai plus que 6 balles. Voilà. Me fais pas jouer les. Enfin, déjà que je joue l'économie, arrête, prends-les tes balles.
Donc vous voyez, par exemple, voilà, le cercle est jaune, ça veut dire que les gens ont un doute. Donc du coup, je suis certes caché, mais bon, voilà. Quand les gens ont une vue de vous, vous savez, il y a votre spectre blanc qui affiche votre ancienne position. Donc du coup, les gens vont tirer vers cette position et vous avez, voilà, le jeu qui vous dit déplacez-vous. Donc déplacez-vous à ce moment-là pour que votre spectre blanc, en fait, puisse s'en aller définitivement. Vous l'avez vu derrière moi brièvement. Voilà, du coup, vous allez vous cacher. Vous allez faire croire à l'ennemi que vous êtes toujours là-bas, mais finalement vous allez prendre une autre position pour pouvoir l'attaquer, etc. Voilà, je me suis fait choper trop. Ouais, je prends la Sten. Bon, différentes armes bien sûr vous sont proposées. Là j'ai le Garand M1 lunettes, vous aurez le Carcano, vous aurez le Gewehr, vous aurez le Lee Enfield. Il y a 4 snipers en tout, il me semble qu'il n'y en a que 4. Enfin, moi je n'en ai vu que 4. Au niveau des armes automatiques, je sais que nous avons la Thompson, la MP40, la Sten que j'ai actuellement. Je ne me rappelle pas de l'autre. Au niveau des flingues, nous avons le Luger, nous avons le flingue que j'ai actuellement. Après, bon, voilà, désolé, je n'ai pas tout retenu. Au niveau, voilà, là pour l'instant, je n'ai que des grenades à ce niveau, à ce moment-là du jeu. Mais je sais qu'il y a de la TNT que l'on peut poser, de la mine filaire, de la mine S. Vous savez, les espèces de bêtises, vous passez à côté, ça saute en l'air, ça vous explose à la gueule. Voilà. Pas mal d'artillerie, de toute façon ça change pas du précédent opus, on avait quand même de quoi faire en fonction de ce qui nous était proposé. Mais bon voilà, c'est plutôt sympa. Le jeu vous indique ce qu'il faut faire en fonction de l'événement dans lequel vous êtes. Mais vous êtes acteur quoi, enfin si vous recherchez, vous voyez que la mini-carte va vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Là vous avez vu, il y a fin d'alerte. Donc vous redevenez en gros invisible aux yeux de l'ennemi, c'est comme si vous n'aviez jamais été là. La logique du jeu vidéo, c'est implacable, me direz-vous. Au niveau de Sniper Elite, on trouve toujours, bien sûr, les fameux objets à chercher. Donc, on avait les fameux lingots d'or à chercher dans V2, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui ont fait le jeu. Voilà, maintenant, ce sont des cartes, des maps, ou des carnets, en gros, à récupérer. Donc voilà, c'est ce qui remplace un petit peu les objets à trouver. Vous aurez des planques de sniper à trouver. Après, il y a des petits trucs délire, genre des tables avec un jeu de cartes dessus. Où est-ce que les ennemis sont en train de faire une partie? Ben, faut aller la trouver, ça la débloque. Voilà, parce qu'ils sont à l'autre bout de la carte, ils sont en train de se faire une belote ou un truc comme ça. Voilà, il faut trouver cette table et ça vous débloque un petit truc, enfin un petit bonus. C'est pour ceux qui sont vraiment. Ce sont les gros chercheurs de trophées qui veulent leur trophée platine à la fin du jeu. Voilà, c'est ce que je vous dis. J'en profite bien sûr en voyant toutes ces torches, etc. Le jeu s'appuie énormément sur la discrétion maintenant. Si vous êtes dans l'ombre, vous serez bien moins en fait visible. Logique en fait, vous allez me dire, mais là vous pouviez être dans l'ombre ou dans le jour. Dans le précédent opus, ça changeait pas des masses. Fallait vraiment juste se cacher dans le précédent. Là, si on est dans l'ombre ou si l'on profite, si on met à notre propre profil le décor, cela joue. Ça joue, donc du coup c'est plutôt cool. Attention, est-ce que je vais l'avoir? Ok, yeah. C'est bon, j'ai fait double frag. Donc, vous voyez après l'XP qui s'affiche à droite, au-dessus de votre grenade ou de vos balles. Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a ramassé. Son entendu, ça veut dire que les gens vont arriver. Allez, je vais aller fouiller le type. Bam. Dans ta race. Un mille morceaux quoi, le crâne, c'est ouf. Bon, enfin voilà, vous voyez, après bien sûr je vous parle du jeu, mais après c'est une licence quand même qui commence à se faire connaître. De toute façon 505 games, on les connaît, par exemple avec aussi qu'est-ce que je pourrais citer de jeux comme Payday 2 par exemple. Voilà, après bon bien sûr c'est un leader développeur du côté de chez Rebellion aussi, ils se font connaître. Enfin, on sait déjà à quel type de jeu on va avoir affaire, donc vous le voyez par vous-même. Est-ce qu'il peut aller dans l'eau? Non, ok, bon, mais c'est là hors limite, on peut pas aller, le jeu fait du bloc. Ouais, la rivière nous fait un body block. Donc voilà, bon après, comme je vous ai dit, il y a différents types de missions. Comme vous pouvez le voir, l'étoile à la droite de votre écran quand vous regardez cette vidéo, quand moi je la vois aussi, bien sûr. C'est bien entendu l'objectif, bande de petits malins, vous le saviez déjà. Donc voilà, ce mec est couché, voilà. Du coup voilà, après donc ce sont des missions, comme je vous ai dit, vous avez du sauvetage, vous avez du sabotage, donc voilà, vous pouvez faire passer un assassinat de quelqu'un par un accident, on va dire, tout simplement, vous en pétez quelque chose à côté, vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà, on vous apprend rien là-dessus.
Après, donc comme je vous ai dit, au niveau du menu, donc on a plusieurs modes de difficulté, il me semble qu'il y en a 4. Un facile, un normal, un difficile, un très difficile, il me semble, et voire même un cinquième. Bien sûr, voilà, comme nous a tweeté Rebellion, ils ont dit que des DLC allaient arriver en masse sur ce jeu, donc vous en aurez pour votre argent. Parlons, si vous voulez, du prix. 70 boules sur la console, sur la dernière console de Sony, donc je parle du next-gen, 60 sur la PlayStation 3. Et voilà, après PC, je ne vois pas, je ne sais pas le prix. Il me semble que sur Steam il était à 33 €, mais je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, hein, il me semble. Donc voilà, c'est infondé. Voilà, comme ça au moins. Vous allez dire, ah mon Dieu, il n'a pas dit la vérité sur le PC. Ben, vous avez qu'à chercher. Voilà. Donc voilà. Sabotage, comme vous l'avez dit, on peut tirer dans les objets. Bon, là j'avais tiré, ça avait absolument rien fait. C'est vrai qu'un petit coup de sabotage, quand on se fait pas remarquer, ça peut être bien. Je vais vous exposer du coup cette chose. Je vais tirer pendant que l'objet derrière moi fait du bruit. Tac. Vous voyez, personne ne s'est retourné parce que vous avez vu les petites ondes en haut au milieu de votre écran. Voilà, c'est la zone. Oh merde, faut que je profite de la zone. Toi, toi, toi. Bordel. Oh, mais je suis trop mal placé en fait. Je vais me lever après. Bon, là, après, faut attendre, bien sûr. Hein? Bam! Dans ta gueule! Magnifique. Donc voilà, vous voyez, donc ou on peut jouer sur la discrétion, ou vous pouvez bien sûr rusher votre mission. À savoir que les missions, si vous vraiment vous voulez jouer vraiment votre rôle de sniper, vous mettez la difficulté vraiment comme vous l'entendez, genre en difficile, enfin, voilà, vraiment vous cherchez la touche de réalisme du jeu. Vous pouvez même voilà personnaliser pardon votre difficulté. Je me disais s'il y en avait une cinquième en fait. Oui voilà, vous pouvez personnaliser votre difficulté parce que selon la difficulté, vous avez les ennemis qui vous cherchent plus ou moins. Vous pouvez vous faire détecter quand vous courez parce que voilà quand vos battements cardiaques augmentent, vous avez plus de mal à viser en fonction du vent. Après il faudra rectifier votre tir. Donc voilà. Bah, du coup c'est plutôt sympa quoi de se faire sa propre difficulté. On fait un petit peu notre type de jeu que l'on aimerait avoir. D'un certain côté, c'est plutôt un bon point parce qu'on dit des fois que les jeux sont trop faciles, d'autres des fois sont trop difficiles. Bon, c'est rare quand on dit que c'est trop difficile. voilà, en même temps, voilà, là on peut pas, vous pouvez pas en vouloir aux développeurs parce que là vous pouvez carrément faire la vôtre. Bon après, si bien sûr elle ne vous convient pas, là c'est un peu con en effet. Donc voilà, après, bon, bien sûr, ce jeu, je vous ai dit, vous le voyez, ça parle de lui-même. Vous avez différents moments, par exemple, quand vous êtes avec la confrontation derrière ces personnes, vous pouvez, pardon, devant ces personnes, selon l'endroit où vous êtes. Enfin, ils ne me voyaient pas, quoi, c'est ouf. Ah, vous voyez l'orange jaune, ça veut dire que ça y est, enfin, je suis certes caché, mais il sait qu'il y a quelqu'un, quoi. Ah, oh, bordel, t'en vas pas, bim. Merde, je l'ai pas tué. C'est génial. Toi, t'es où, toi? T'es là. Dans ta race. Bon, bien sûr, voilà, vous pouvez passer le bullet time parce que, voilà, sinon le jeu vous en fera tout le temps. Vous appuyez sur croix, ça l'enlève. Vous voyez en fait que le mec est mort directement. C'est plus rapide quand vous le faites, quoi. Tir au poumon. Oui, il me semblait que j'avais visé le menton, mais bon. D'accord, très bien. Bon, je vais essayer quand même. Oh, ce peuple! J'allais dire, je vais essayer de me dépêcher quand même de terminer. Voilà, vous voyez, quand je passe, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Mais bon, après, comme c'est un bullet time, les ennemis ne bougent pas plus que ça. Ah, mais il y a un sniper en haut. D'accord, t'es où? Je te vois pas. Ah ouais, mais il est derrière le... derrière la bûche. Bim, dans le coude. Je vais t'avoir une deuxième fois, mais il y a un mec à droite. Voilà. Je pensais qu'il était en fait dans la tente, je l'avais pas vu. Eow! C'est monstrueux, c'est génial, j'adore, je m'en lasse pas. Donc voilà. Mais crève! C'est bon, t'as pris ta. Ok, bon ben voilà, on va refaire la deuxième, hein. Bim, encore dans le bras. Oui, bon, généralement, au bout de deux pets, les ennemis vont crever quoi. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, voilà, quand vous êtes derrière des obstacles, vous pouvez les enjamber comme je viens de faire en fonction, voilà. Utiliser un bricacidex. Ok, alors. Le bricasilex, il est là. Comment on fait pour l'utiliser déjà?
Merci Rébellion, merci de nous indiquer à nous les Mongoliens quand on ne sait pas faire le jeu. Ok, c'est censé faire quoi? Non, parce que le briquet, le silex, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, je sais même plus s'il y en avait dans le 2, je pense pas. Ok, il y a une flamme. Faut ah, tirer dans le réservoir alors. Ok, ça fait absolument rien. Tirer dans la flamme. Ok, ça fait rien non plus. D'accord. J'ai pas envie de me cramer non plus. Ok. Bon, ça marche pas plus que ça. Est-ce que sur toi ça marche? Je suis en train de tester là parce que là je vois pas trop ce que c'est. Ah ben lui il s'est éteint. Bordel de cul. Réfléchis, réfléchis. Ouais, ça en fait ça fait que cramer. Je suis désolé pour ceux qui savent comment ça marche, mais moi je vois pas du tout. Là je suis en train de galérer. Attendez, attendez. Tac. Ah, ça a l'air de marcher. Là, du coup, ça prend le feu. Ça va prendre feu avec le silex en fait. Faut les péter d'abord le truc. Attends, je vais y remettre un pet. Tu vas pas me casser les couilles, toi. Ah, voilà. Bon, bah, écoutez, et vous savez quoi? On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va aller les péter. On va pas attendre. Oh putain, bon, d'accord. Il y a que le sniper qui a du perstol. Oula, par contre, casse-toi. Bon, mais on va tous les péter comme ça. Hein? Voilà, hein? On va faire comme ça ira plus vite, que le temps que je comprenne comment marche le silex. C'est plus de notre époque, j'ai envie de dire. Bear Grylls, tu peux aller te recoucher. Ah non, mais je pensais l'avoir eu. Yes, ouais, c'est bon. J'avais raté le tir, ok. C'est le camion, il prend pas ses balles, il bouge trop, arrêtez. Bon, mais voilà. 5 véhicules détruits, il reste plus qu'à aller péter. Il reste plus qu'à terminer cette mission, allez go. 111 battements. C'est ouf. Je vais mourir. Je vais faire un arrêt cardiaque. Tatata. 120 battements. Oui, voilà, ça c'est le maximum. C'était 120 et je crois que le plus bas, je crois que c'est 60. D'accord. Ok, les mecs derrière les MG, ils ne bougent pas quand ils prennent une balle dans la tête. C'est cool, c'est bon à savoir, hein, me direz-vous. Hop là, voilà. Frag par grenade. Yeah, yeah, my girl, tu connais. Bon. Ok, bon, je pensais l'avoir parce il était peut-être loin, mais bon, il aurait pu montrer sa tête. Ah, je savais bien que je t'avais vu. Ok, t'es là-bas. Mais montre-toi, j'en ai marre de ces ordis qui mettent 30 ans à se montrer. Je vais m'approcher, je vais te péter la gueule. Pow! T'intéresse. Magnifique. Bon, après, au niveau des munitions. Autant l'arme avec le flingue. Le jeu a dû déduire qu'on n'allait pas s'en servir beaucoup, mais pourtant, quand même, pour l'infiltration, avoir un flingue silencieux, d'ailleurs, c'est votre seule arme en silencieux, on l'utilise assez souvent. Et les balles, on n'en trouve pas au coin de rue, quoi. Bon, bien sûr, vous pouvez trouver sur des caisses, si vous êtes chanceux, il y a les munitions correspondantes à votre arme. Ou alors, vous fouillez les cadavres comme d'habitude, vous pouvez trouver des choses. Au niveau des cadavres, de l'interaction, vous pouvez donc du coup récupérer des munitions, mais sinon aussi soulever le cadavre. C'est une excellente diversion que je viens de faire. Du coup, voilà, soulever le cadavre pour le déplacer éventuellement, donc le jeter, le reposer au sol, tout dépend le bruit que vous allez faire. Oula. Hop. Ah, mais je me disais bien qu'il y avait un cercle, mais bon, ils me voient pas. Ils sont vraiment stupides, ma parole. Au cas où que vous vous demandiez, ouais, mais bon, c'est parce que c'est à cause de la difficulté, t'as dû choisir facile. Non, je suis en normal. Donc voilà, je suis en normal et vous voyez ce que ça donne. Hein. Mais bon, après, moi c'est pas ça qui me dérange. Vous savez que moi je suis pas non plus un gros amateur de difficulté, mais bon là, vu que le Sniper Elite V2, je l'avais fini en tous les modes de difficulté, je me suis dit, allez, allez, X Rouge, tu vas oser, tu vas commencer un jeu en normal et non en facile. Yeah! Bon allez, c'est bon, je l'ai tué, c'est cool. Vite, récupère, récupère parce que tu t'es fait flag. Oui, allez, go. Ah! Ah! Kezako. Ah, ok. C'est le général.
piéger et tuer le général avant qu'il ne parte. Ah, donc il va arriver. Et ben on va l'attendre. On va lui éclater la gueule. Ouais, ça doit être l'étoile là-bas. Mais par contre, toi, tu vas arrêter de me tirer dessus, mais sévère. Dans ta gueule. Bouffe-toi ça. Ok. Bon, j'ai pas touché de zone qui avait été texturée graphiquement. Du coup, la balle n'a fait que traverser. Un petit bandage, un petit patch de... Ouais, ça doit être en fait... Ouais, parce qu'il se le met sur le bras droit, là. Ça doit être un patch de morphine, quelque chose, un truc bizarre. Mon Wellrod n'a plus que 4 balles, c'est génial. Je suis awesome. Ok, il y a un mec qui est en train de me viser, il me voit, il est en rouge. Il a décidé de venir me chercher pour ensuite m'attaquer. Il est en rouge, il est en train de me tirer dessus, le bâtard. Ok, c'est bon. Oui, bon, fais pas le malin non plus, la Sten, elle va pas aller si loin. Merci, la technologie britannique. J'ai failli essuyer un second tir. J'ai failli re-essuyer. Et bam, moi je t'apprends comment on tire. Oh, la balle passe magnifiquement entre les pylônes. Pour arriver dans ta gueule. Le crâne complètement démoli, ma parole. 100 mètres, il arrive. Allez, go. Par contre, j'ai vu que c'était un char. Ouais, allez, je vais me cacher, je vais voir. Est-ce que sa tête dépasse? Allez. Oh merde, toi t'es là-bas, ciao. Ta gueule. Oh mais il se barre. Oh merde. Oh non, je vais le mettre. Oh putain. Putain, vite, défonce-le. Voilà. Tué. Ah non. Aha. Ok, bon, j'y suis pas arrivé en fait, et là du coup je savais qu'il... Enfin, j'ai su après qu'il fallait poser des mines, donc là en gros, excusez-moi, l'inconvénient du direct. Bon, là j'ai fait en sorte du coup de faire une deuxième prise et de la superposer là-dessus, donc voilà, inconvénient du direct, veuillez me pardonner, mais là j'ai posé mes mines, et là il va bien crever parce qu'il est caché derrière là. J'aurais pu l'avoir par-dessus, mais là, voilà, ah putain, j'avais peur qu'elle ne pète pas. Ah, et ben voilà. Voilà, bon, on va oublier le fail, hein. Je pensais pas qu'il était caché. Mais bon, voilà, ça y est, l'essentiel c'est que je l'ai eu. Ok, on peut pas passer par dessus, c'est pas grave, je descends. Et ben voilà. Bon, ben j'y suis arrivé. Et ben c'est bien. Bon, ben écoutez les amis, sur ce, ben se finit mon vidéo test. J'espère que, ben, qu'il vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une de mes prochaines vidéos. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao.